Bonsoir à tous et bienvenue dans le premier numéro de la quotidienne de l'E3, petite émission qui sera diffusée tous les jours sur Génération Nintendo pendant l'E3 et qui sera consacrée entièrement à toutes nos attentes, toutes les rumeurs, les leaks, tout ce qu'il y a à dire sur cette semaine très très chargée dans l'actualité du jeu vidéo. Aujourd'hui c'est principalement la conférence EA qui va nous occuper. Et également quelques rumeurs du jour, notamment la grosse passoire Ubisoft qu'on connaît très bien, entre autres. Et pour discuter de tout ça, j'ai avec moi plusieurs chroniqueurs. J'ai donc Spy. Salut. On a également Kanozo, qui n'était pas là hier soir, mais qui va venir aujourd'hui. Yo. Éclectique. Salut. Et pour finir, le grand métalleux Riffelgoth. Le grand quoi ? Ah, je suis choqué par ces accusations. Salut tout le monde. Non mais ça, il dit juste le grand parce que tu fais 1m85, hein, t'emballes pas. Oui. Ça va. Je vais commencer par... est-ce que vous pouvez me confirmer qu'on est bien en live et que tout fonctionne bien ? Ouais, bien sûr. Il y a peut-être des réglages de son à faire. J'ai eu un retour hier soir sur quelques personnes qui avaient un micro trop fort ou trop faible. Alors j'ai baissé Sweet Spy qui apparemment était celui qui était trop fort. Sur le chat, si vous avez des remarques à faire. Je sais que moi, de manière générale, mon micro est toujours trop fort. Donc c'est pas mon micro, c'est ma voix. Ouais, vu qu'on peut pas régler ma voix, on va régler mon micro quoi. Je t'ai mis à 80%, c'est bon. J'avais pas le chat hier donc je pouvais pas voir, mais là je l'ai, donc si vous avez des remarques à faire sur le son, absolument faites-les, que je fasse des ajustements, parce que c'est ce qui me fait le plus paniquer, les réglages son, notamment après ce qui s'est passé première émission de janvier. Donc voilà, on va commencer tout de suite avec le premier sujet de notre programme, c'est les leaks du jour avant d'entamer la grosse partie EA. Et du coup, jingle. Alors, qu'a-t-on au programme ? Je pense qu'on a un truc qui va faire plaisir ou pas, on verra, à Spy, entre autres, et à Retro qui aurait dû être là et qui n'est pas là finalement, et qui va en faire rager pas mal. Du coup, si tu veux. Excellent leak. Si tu veux enchaîner Spy, c'est. D'accord. Est-ce que tu m'entends là ? Est-ce que j'ai un peu de lag de mon côté ? Normalement, ça va. Ouais, no problème. Ok. Donc, il y a eu un leak sur 4chan par un petit filou qui dit avoir vu le stand Nintendo de ses propres yeux en pleine construction. Qui évidemment, il cite beaucoup de choses à ce qu'il a vu. Hein. Sauf qu'il y a pas mal de choses dans ses propos qu'on peut remettre en. Ah, la conférence est commencée. Il y a eu une coupure, on t'a pas entendu. Ah, désolé. J'espère que ça passe. C'est bon maintenant là ? Ouais. Ok. Donc je disais, il dit qu'il a été sur le stand Nintendo et donc il liste toutes les choses qu'il a vues, sauf qu'on peut déjà remettre en cause pas mal de trucs, surtout avec des informations assez récentes. Mais donc concrètement, il dit que le stand est inspiré de Mario Odyssey, tout est fait pour ressembler à New Donk City, selon lui. Il dit que donc voilà, il a vu pas mal de trucs dans Mario Odyssey, notamment un power-up électrique, un peu comme ça. Il dit aussi qu'il y a du Hard, il y a du Splatoon, il y a du Mario et la Perfect 1, il y a du Fire Emblem Warriors, il y a du Pokémon, il y a du Xenoblade 2, donc jusque là, tout va bien. Et ensuite, il dit qu'il y a un portail... Ah, ça a coupé au mur. Portage du BGE. Portage du BGE utilisé donc. Un portage Tokyo Mirai Session Sharp et Fun, le crossover entre Shin Megami Tensei et Fire Emblem qui a eu sur Wii U l'an dernier, qui a fait un bid monstrueux au Japon, je préfère même pas en parler en Occident, donc voilà, c'est totalement improbable. Je sais pas si vous trouvez ça vrai, véritable, vraiment possible. En tout cas, on en serait tous très contents, je pense. Oui, totalement. Ouais, tout à fait.
On a vachement hâte de voir ça, oui, bien évidemment. Après, le truc, c'est vrai qu'on sait très bien que ces dernières années, les vrais leaks sont toujours venus de 4chan ou de Reddit. Après, je dis pas que celui-là, c'est un vrai, je dis pas que celui-là, c'est un vrai leak, mais par contre, c'est vrai que moi, ça fait déjà quelques jours que j'ai bien les yeux rivés sur la commu gaming, moi, de 4chan, en mode « Alors, voyons voir, c'est lequel qui va être crédible dans tout cela ?» Pour vous rappeler, la conférence de janvier, la veille, sur 4chan, il y avait un mec qui avait tout balancé, et ouais. Ça s'est révélé juste. Ouais, tout à fait. Mais le truc, c'est justement... Et d'ailleurs, je sais qui c'est le type sur 4chan, et il a pas posté pour le moment, donc... T'as dû le stalk, c'est flippant, ça. Mais sinon, c'est pas le même, parce qu'il bossait en France, le gars, donc ça peut pas être le même. Est-ce que je peux juste terminer avant les trucs intéressants? Oui. Voilà, Alors ensuite, donc second point intéressant avec des guillemets, donc je sais pas si vous vous souvenez de la rumeur qu'il y a eu un dépôt de noms de Pilot Wings et WireEyes en Europe il y a peu de temps, je crois. Ouais. Et du coup, selon lui, en fait, ce serait un seul et même jeu, en fait, donc ce serait une sorte de crossover entre Pilot Wings et WireEyes qui se passerait sur l'île de Woo Island, donc dans le 3DS, et Wii Sports Resort. Donc voilà, donc il dit que ce sera un truc assez amusant pour les joueurs casual. Il dit aussi que donc, le projet Octopath Traveler de Square Enix sera présent et qu'il y aura aussi les Sonic Mania, Sonic Forces. Voilà, c'est concrètement ce qu'il a dit. J'ai du mal à y croire. Ah, puis aussi, il a dit aussi qu'il y aura Yooka-Laylee, mais Playtonic Games a déjà confirmé qu'il ne serait pas d'autre en jeu. Oui, donc il a fait du save bet et il a piffé des trucs de merde juste pour le. Ouais, voilà. Bah oui, surtout qu'il n'y a pas un truc qui est vraiment nouveau, parce que si tu prends en compte que WaveRay ça a été trademarqué, déposé il y a pas longtemps, bah du coup tu vois que tout ce qu'il a chopé en vrai ça vient de rumeurs qu'on connaît déjà. Il n'y a pas un truc qui sorte. À part Tokyo Mirage qui sort du sol, ça par contre je sais pas pourquoi. Ouais, voilà, ça n'a aucun sens. C'est juste un portage. Donc, par exemple, en janvier, le leak de janvier il parlait de trucs dont on n'avait aucune existence, genre Arms, que personne ne connaissait l'existence. Le mec détaillait déjà le design des persos et tout. Voilà. Il y avait un peu plus de détails qui étaient plus faciles à vérifier. C'est ouais, ça. Ouais, en janvier, ouais. C'est voilà. J'ai envie de dire, c'est un petit peu comme les inconnus disaient, c'est à ça qu'on reconnaît le bon chasseur du mauvais chasseur. Ouais, bah là, c'est à ça qu'on reconnaît le bon liqueur du mauvais liqueur, en fait. Hein. Yeah. Ouais, voilà. Il reste de l'air, il reste dans la zone safe. Je sais pas si tout le monde a vu l'info, mais le décor du stand de l'E3 qui ressemble à la ville de Mario Odyssey, c'est confirmé, hein. Il y a eu des photos photos de stand en construction. Mais ça, pour le coup, c'est un peu prévisible. Après, oui, c'est évident. Ouais, voilà. C'est pas un truc inattendu. Oui, non, je pense qu'on aurait fait un sondage, ça serait sorti en tête, quoi. Je veux dire, on s'en doutait tous. Ouais, c'est comme si tu disais l'an dernier, le stand ressemblait à Zelda, quoi. Ouais, voilà, quand tu vois le stand de l'E3 de l'an dernier, à quel point il était bien foutu, il était quand même super. Ouais, c'est magnifique. Celui-là aussi, il a l'air joli. Magnifique. Celui-là aussi, on a vu des photos, il a l'air pas mal. Ah, ouais, clair. Bah oui, ils peuvent faire vraiment quelque chose de très bien avec ça, hein, comme ils ont fait l'an dernier. S'il y a un truc sur lequel on peut leur faire confiance, c'est ça, quoi. Il y a un écho quelque part. Qui a un écho? Oh, je sais pas. Ouais, j'ai pas d'écho. J'ai pas d'écho, donc je l'ai pas eu. Donc, ok. Ça doit être moi. Alors j'ai une. Enfin bref. J'entends des voix. on va embrayer sur un truc plus concret que du 4chan. C'est un truc qui est tombé hier soir, donc c'est quelqu'un qui a... Enfin, je crois que ça a aussi été révélé sur 4chan, mais pour le coup, ça, il n'y a pas de doute à avoir. C'est un truc qui a été repéré, c'est le dépôt de marque aux États-Unis pour un jeu qui s'appellerait Monster Hunter World, et qui laisse supposer plusieurs hypothèses. Donc soit ce serait le titre en Occident de Monster Hunter Cross, soit c'est le nom de Monster Hunter 5 qui est depuis longtemps dans une rumeur qui dit que ce serait une exclue PS4 ou à minima une exclue temporaire. Je pense que c'est plus du fantasme que de la rumeur. Soit ce serait un Monster Hunter Open World, soit ce serait un spin-off MMO ou je sais pas quoi, un peu aux F à Monster Hunter et pas un épisode principal. Ah, vu le nom, c'est très possible que ce soit un MMO, hein, oui. Bah, il y a déjà un MMO au Japon qui s'appelle Frontier, ah oui, il n'a jamais été localisé chez nous. Il y a même un deuxième MMO en Corée qui s'appelle Monster Hunter Online. Voilà, il y a deux MMO. Oui, d'accord, il y a deux MMO. Mais aucun n'est venu chez nous. Ouais. Mais du coup, je sais pas, qu'est-ce qu'il...
Ok, je vais commencer parce que j'avais longtemps que je suis un peu tout le bazar qu'il y a avec Monster Hunter. Ouais, vas-y. Bah, le titre en Occident pour Monster Hunter Double Cross, ça m'étonnerait pas trop parce que c'est. Bah, ils vont pas l'appeler Génération Génération. Ils vont forcément lui foutre un autre nom, New Génération, Double Génération, je sais pas. Mais c'est pas impossible que ce soit Monster Hunter Double Cross, même si je pense que le plus probable c'est que ce soit juste un spin-off de Monster Hunter Open World qui serait plutôt fait pour le marché occidental. Genre pour PS4, Xbox One, PC, tout le bazar. Tu vois, un truc un peu plus pour marché occidental avec peut-être un gameplay plus casualisé pour les gens qui savent pas jouer ou des cinématiques, des QTE, des trucs du genre, vous voyez. Genre, ce serait pas Monster Hunter 5 parce que si c'était Monster Hunter 5, ça garderait le nom et ça aurait ce gameplay qu'on connaît tous. Mais je pense que ça va être un spin-off pour le marché occidental comme Monster Hunter Stories était un spin-off pour les gosses. Ouais, voilà. Ouais. Bah, si je peux rebondir, oui, ouais. Vas-y, ouais, okay. Ouais, je suis plutôt d'accord avec toi, surtout que Monster Hunter, en général, les annonces des nouveaux jeux, ils les font au Japon parce que c'est avant tout ciblé pour le public japonais. Ouais. Ce serait étonnant qu'ils annoncent une sorte de Monster Hunter 5 en Occident à l'E3, ça n'a jamais été fait, je vais mal le faire. Donc pour moi, le plus probable, soit c'est effectivement le nom de Monster Hunter Cross, ou soit c'est une espèce de spin-off ciblé pour le public occidental. Avec peut-être un gameplay plus action, ou je sais pas, un truc qui se rapproche d'un Lost Planet, pour vraiment voir ce que ça donnait. Et ouais, je doute que ce soit vraiment un Monster Hunter 5. Après, pour le support, sur lequel ça sortira, j'espère pas miser. Mais je pense que sur Switch, ce serait le plus probable. Je sais pas si c'est un truc vraiment marché occidental. La fameuse rumeur qui dit que MH5 serait sur PS4 précisait aussi qu'il y aurait aussi un opus Switch en préparation. Ouais, mais cette rumeur-là, fortune, j'y crois pas trop, parce que je pense pas que c'est Monster Hunter 5. Mais surtout, je pense que si c'est un truc... Pas non plus. C'est un truc pas non plus, mais il y a des indices qui le laissent supposer, comme le fait... Après, ouais, si c'est un truc bien bourrin, ça se peut... Le fait que le dépôt de marque sorte juste avant le 3, comme ça avait été le cas l'an dernier pour le... Non, il y a deux ans, je sais plus, pour le dépôt de marque de Death Stranding, c'était sorti deux jours avant le 3, pareil. Ah non, mais je pense qu'il y aura un Monster Hunter à le 3, hein, c'est pas... aucun doute dessus. Et il y a ça, et le fait que Sony ait teasé des grosses annonces de développeurs de jeux japonais pour sa conférence me laisse supposer que c'est peut-être ça. Après, j'y crois pas du tout, mais il y a des indices qui supposent que ça pourrait être le cas, quoi. Je pense qu'il y aura Monster Hunter chez Sony. Je pense que c'est ce open world, mais je pense pas que c'est MH5. Et je pense aussi que s'ils font Monster Hunter pour le public occidental avec des gros graphismes, enfin après gros graphismes, on parle de Monster Hunter, hein, pas l'oublier. Mais s'ils font un truc vraiment bourrin, tout ça, je pense que ça sortira pas sur Switch. Parce que déjà, sur Switch, il y a le Monster Hunter Double Cross, qui personnellement, je suis persuadé qu'on aura l'annonce de localisation en 7.3. J'en suis. Oui, il y a des chances. Peut-être. Oui, ça, il y a des chances. Et du coup, je pense qu'ils vont essayer de développer ces deux branches, tu vois, un truc plus pour l'Occident et Double Cross pour les joueurs 3DS, Switch, qui sont habitués au Monster Hunter classique, tu vois. Yep, oui. C'est ma théorie en tout cas. Ouais, pareil. Je trouve ça bizarre parce que autant en Japon Monster Hunter c'est très gros, autant en Occident c'est pas si gros que ça, et diviser par deux les communautés de Monster Hunter, je trouve ça quand même un peu bizarre. Ouais, bah après Capcom a fait des trucs plus bizarres que ça. Hein. Oui. Non, mais ce serait passionnant parce que Monster Hunter c'est leur seule licence vraiment rentable actuellement. Et ce serait pas tant qu'ils essayent de faire surfer le succès en Occident et annoncer un jeu vraiment pour le public occidental, c'est pas si bête que ça. Pas oublier qu'il y a un film Monster Hunter qui est en préparation aussi. Ah oui, en plus. Ouais. Oh putain, oui, c'est vrai. Je pense qu'on a fait le tour des hypothèses pour ça, donc je vais tout de suite passer le teasing suivant du jour qui date d'hier et qui est en fait un teasing de Crash Team Racing dans la fameuse Insane trilogie de Crash qui doit sortir sur PS4 ce mois-ci, me semble. Qui est une exclue temporaire et qui sortira après. Je ne sais pas si les plateformes sont déjà annoncées, mais enfin, c'est une exclue temporaire PS4 pour l'instant. Et donc, du coup, Activision a confirmé qu'il y aurait Crash, qu'il y aurait ça à l'E3, du coup, et en plus, teaser CTR, quoi. Est-ce que vous avez des réactions particulières? Qui a joué à CTR ici déjà dans cette Moi. Je pense qu'on est d'accord pour dire que c'est la seule fois de l'histoire où un Mario Kart était moins bien qu'autre chose. Ah, clairement.
Mais après, c'est plus sa faute que c'est plus qu'à faute qu'il était pourri le 64 que Crash était particulièrement bon. Hein. C'est parce que c'était pas ouf non plus. Je trouve. Non, il est énorme. C'est le seul Mario Kart like où il y a un solo vraiment vraiment dessus. Ah, il y a Diddy Kong Racing, mec, l'oublie pas. Ouais, je sais pas. Après, Diddy Kong Racing, je l'ai fait quoi plus tard. Donc, il y a aussi l'enfant qui joue, quoi. Mais ouais. J'avais adoré le système du solo. C'était... Après, c'était un bon clone de Mario Kart. Ouais, pas, c'est ça. C'est un bon Mario Kart like, il y en a peu qui peuvent se parler. Mais il n'avait pas sur, sur PlayStation, donc ça faisait le taf. Ouais, voilà. Mais bon, après, de là à vouloir un remaster, je sais pas trop. Après, moi, personnellement, je pense que c'est aussi l'un des meilleurs Mario Kart-like. Ça a coupé. On n'a pas entendu le début de ta phrase. J'ai dit, je pense aussi que c'est l'un des meilleurs Mario Kart-like, et que, bah, du coup, je l'avais bien aimé à l'époque. Après, je pense que j'y rejoue maintenant, j'ai trouvé ça nul à chier. Et les espèces de gros forceurs, notamment Ren, là, qui font des tournois CTR et qui se vendent d'être les champions du monde parce que c'est les seuls à organiser des tournois CTR. Vous forcez beaucoup, quand même, un peu trop, là. Ouais. C'est comme les joueurs de Sonic All Stars Racing, tu vois, ils font les beaux. Bon, moi le jeu il est mieux. Ah oui, c'est mieux, oui, être ensemble c'est bien mieux, pas déconner. Ouais. Transcend est vraiment bien, après le premier Sonic All Stars Racing il avait pas mal de défauts. Transcend, ouais, j'ai pas joué, j'ai joué 4 ensemble. J'ai fait enfin... les deux, franchement. Ouais. Enfin bref. Reste à savoir si ce sera dans le jeu de base à sa sortie ou si ce sera un DLC payant. C'était un jeu de base, je pense qu'on l'aura déjà su. Ouais. Et moi, ce que je voudrais savoir, c'est sur quoi Crash va sortir après ? Est-ce qu'il va juste rester sur PS4 ou pas ? Ouais, ça c'est un autre débat. Mais ouais, sinon, je vois bien le truc sortir. Ça me semble assez safe de dire Xbox One. Je pense pas qu'ils vont sortir le jeu tout seul en boîte à 40 balles, mais genre peut-être, je sais pas, 20 sur le PSN. Bah peut-être un bonus de Day One ou un truc comme ça, tu vois. Ouais, peut-être un en DLC pour le jeu, ou je sais pas. Ouais, ça sera assez cool quand même de le revoir. Bah oui, un bonus, pourquoi pas. Après, Crash, c'est nul, mais bon, ça, il faut pas trop le dire aux doigts. C'est toi ça, qui... C'est nul. Bon, on va passer au sujet d'après, non, du coup. C'est pas vrai. Sujet d'après, on va revenir sur du Nintendo. Donc, c'est une vidéo de Go Nintendo, donc gros site anglophone, l'un des plus gros, peut-être même le plus gros derrière Nintendo Life, de news Nintendo anglophone, et qui du coup prétend à sortir une vidéo où c'est Kevin Cassidy, hein, le gars qui gère le Go Nintendo, qui prétend avoir une source chez GameStop et donc avoir pu mettre la main sur un listing interne avec des dates de sortie, et où c'était indiqué que du coup GameStop s'attend à sortir Super Mario Odyssey le 17 novembre et Xenoblade 2 en février 2018. Donc Xenoblade 2 serait reporté, mais aurait un report très 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 mineur, quoi, seulement 2 mois. Je pense que ça va par rapport à Xeno X quand même. On a pris un an et demi dans la gueule pour X. Ouais. Franchement, c'est vraiment l'estimation que je me faisais. Genre, je repoussais dernièrement, mais genre de quelques mois, juste le temps de traduire et en plus que ça. Pareil. C'est complètement impossible, ouais. Titre personnel, je crois pas du tout que Go Nintendo puisse avoir la moindre information. Mais, ouais. Mais ça m'étonnerait pas que Xenoblade 2 se fasse repousser, parce que il y a déjà pas mal de trucs en fin d'année. Il gagnerait plus à le garder en début d'année prochaine. Tout à fait, ça je suis tout à fait d'accord. Je pense que ça serait en fait un truc intelligent de leur part, quelque part, de le repousser, parce que il y a déjà tellement de choses qui sont prévues en fin d'année que, quelque part, s'ils veulent avoir des ventes homogènes, on va dire, des jeux, vaut mieux qu'ils le sortent un petit peu plus tard, à une période qui sera un petit peu plus creuse, en fait. Après, cela dit, j'ai envie de dire, c'est pas la première fois que Nintendo font ça. Bien de sortir Mario Odyssey et Pokémon Ultra machin le même jour. Ah oui, mais une fois chaque fois, une fois chaque fois. En 2014, ils avaient fait exactement la même avec Smash Bros Wii U et Pokémon Rosa le même jour. Mais l'année d'avant, ils avaient sorti Mario 3D World et A Link Between Worlds le même jour. Ah oui, bah voilà. Ils font ça à chaque fois. Je comprends pas pourquoi ils font ça des fois. C'est moins cher, hein. Tu transportes les jeux dans les mêmes trucs, hop là. Et surtout que la mi-novembre, fin novembre, c'est la semaine juste avant le Black Friday. Oui, du coup, on fait les grosses sorties toujours à ce moment-là, tu vois.
vu qu'ils sortent leurs deux plus gros jeux de la fin d'année. Tu me diras, c'est toujours moins con que Electronic Arts qui te sortait Titanfall 2 juste après Battlefield 1. Oui, parce que en soi, ça reste quand même deux jeux très différents et puis sortent dessus oui, bien sûr. Oui, en vrai, ils s'empiètent pas. C'était deux FPS sur les mêmes consoles qui sortent au même moment. C'était même trois parce qu'ils étaient sandwichés entre Battlefield et Code. Mais Code c'était pas eux, tu vois, j'ai compris. Alors que leurs deux propres jeux, tu vois. Ah ouais, c'est vrai. Ah ouais. Du coup, t'as de la bidée. Et bon, dommage. Pardon. Ski Osef. Il paraît qu'il est pas mal. Non, il est bien. Franchement, il est bien. Du coup, dernier gros leak du jour avant. Enfin, il n'y a pas dernier leak parce qu'il y a un leak qui est après, mais dernier sujet avant de passer à IS. Putain, mais vos gueules! Pardon, désolé. Ah, d'accord. Il y a des gens dans la rue, c'est énervant. C'est du coup la grosse passoire Ubisoft, là, comme d'habitude. Ouais, là. Des bichus. Forcément. Ouais, comment ça? Pourquoi? Jamais arrivé, hein. Comment c'est possible ça? Je comprends pas. Du coup, là, c'est des screenshots de Assassin's Creed Origins, du coup, dans Game Informer, qui ont fuité. Donc, c'est un magazine papier qui est déjà imprimé et prêt à être diffusé pour ce mois-ci, quoi, et qui, du coup, a leaké. Et donc c'est tout un tas de screenshots dans lesquels on peut apercevoir tous les décors égyptiens du jeu et notamment, gros truc, la possibilité de jouer à dos de chameau. Voilà, ça va être le gros moyen de déplacement du jeu, je pense. On apprend aussi, ce qui était déjà anticipé dans des précédents leaks, c'est que le personnage principal s'appellera Bayek. Alors, je sais pas si je prononce bien, mais Bayek, en théorie. Sans Balek. On apprend aussi qu'il sera possible de visiter deux grosses villes égyptiennes, donc Memphis et Alexandrie, qu'on pourra nager sous l'eau pour visiter des cavernes sous-marines. Nager sous l'eau et pêcher. Nager sous l'eau pour visiter des cavernes sous-marines. Donc tu ne nages pas à niveau d'eau, mais sous l'eau, dans des cavernes sous-marines. Tu comprends la différence? Il y avait déjà ça avant. Et donc, pour pécho des trésors, tu pourras aussi piller des tombes, un grand classique pour pécho des trésors aussi. Et ouais, le jeu sortirait le 28 octobre, donc voilà, ça me semble. Ça se rapprocherait pas mal d'un AC4. Oui. Mais le 28 octobre, il me semble que c'était la date qui était futée pour la date sortie de la Scorpio. Du coup, ça m'étonnerait pas trop. J'ai lu 28 octobre. J'ai pas vu ça d'ailleurs. Ouais, puis si on met que le jeu est une opti Scorpio. Sans doute, hein, c'est Ubisoft, ils sont pas mal potes avec Microsoft donc. Là, ils sont potes avec tout le monde. Ouais, forcément, ils vendent leur cul à tout le monde. Mais ouais, du coup, ouais, bon, ça se crée dans l'Egypte. Qui est surpris? Lève la main. Quoi? Comment ça? Qu'est-ce que tu fais? Par contre, la surprise, chameau, quoi. Le chameau, c'est génial, ça, par contre. Qui peut dire avec faire des assassinats ou des chameaux. Alors, perso, moi, j'avoue que c'est le premier Assassin's Creed depuis très longtemps qui me tente vraiment. Bon, déjà, parce que j'ai toujours été, moi, passionné par l'Égypte, machin, etc. Et c'est vrai que là, d'un coup, tu te dis, tiens, ça peut être marrant aussi. J'aime bien le concept de nager sous l'eau et puis piller les tombes pour trouver des trésors et tout. Voir si, justement, ils ont réutilisé, en fait, des plans de vrais tombeaux ou pas. Enfin, voilà, quoi. Ouais, et puis aussi, comme ça fait 2 ans qu'il n'est pas ressorti, hein, l'effet de... Ouais. Sur dosage et si je peux me permettre de sortir une de mes petites sources de mes familles, j'ai entendu que le dev a commencé en fait à peu près avant la sortie de Unity. Donc Unity c'était 2014 13, je sais plus trop. 2014. Oui, c'est 2014. Ouais, du coup, il a au moins 4 ans de développement dans les potes. Ça ferait ça, et aussi on m'a dit que ça se passerait pas juste en Égypte. Voilà, c'est qu'il y aurait d'autres petites régions. Alors je crois qu'on a les mêmes sources. Ouais, ah, mais on m'a dit... j'avais entendu parler d'un retour à Jérusalem. Ah bon, t'as des sources, toi? C'est le problème. Je te ferai remarquer que j'ai un pote qui bosse chez Ubisoft. Ah, je sais. Voilà, on a tous un pote qui bosse chez Ubisoft. De toute façon, tout le monde en France a un pote. Voilà, et on m'a dit qu'on parlait de. Mais t'es pas en France, toi, qu'est-ce que tu dis? Ah ouais, mais ça va, c'est un petit département. Quand on était gamin, tu vois, on avait tous... Et puis moi, le mien de pote, il bosse pas chez Ubisoft France, mais par contre, en fait, il traite des trucs pour Ubisoft France.
C'est les bons bails, ça. Ah, il peut pas se faire virer, du coup. Exactement. Donc, il peut me raconter des trucs, il peut pas se faire lourder. C'est ah, ça bah pareil, peut... t'inquiète pas, la mienne ne bosse plus subi, donc c'est bon, c'est le safe. Justement, il était viré à cause de leak. C'est barré avec les infos. Mais ouais, donc on va parler de plusieurs régions, on va parler de France, en fait, Seconde Guerre mondiale, la France. Exactement. Bah voilà, bah du coup, c'est bon, alors, formation Seconde Guerre mondiale, France. Ouais, et, on m'a dit une ville asiatique, mais je ne me souviens plus le nom. Bon, une ville asiatique, je ne me souviens plus laquelle. Une ville asiatique, alors pour... Ouais, d'accord, en Asie mineure, quoi. En tout cas, il m'a dit qu'il y avait des Shintok. Non, mais... non, mais... Comment tu veux lier la Chine, l'Égypte et la Seconde Guerre mondiale? Bah, bon, apparemment, en fait, c'est des époques différentes. Tu voyages dans le temps. Assassin's Creed, il va être tellement ambitieux qu'en fait, l'open world, ça va être la Terre, tu vois. Ou alors, le passage présent, ça se passe durant la Seconde Guerre mondiale, et du coup, ils sont obligés d'aller dans les souvenirs du mec pour en Égypte. En tout cas, on m'a dit Origins, du coup, je pense à peut-être l'origine de chacun des assassins. Mm-hmm. Et du coup, tu vois. Ouais, je sais pas, Arnaud en France, tu vois, ou ce genre de truc. Je sais pas. On verra bien. Ouais. Moi, il y a juste une question que je me pose, c'est si le nom de famille du héros, ça sera Houille. Parce que ça peut être très drôle. Dis donc ça, dis donc, c'est marrant. Hein. Pas mal du tout, ça. Parlons de Houille, on va passer à Ah oui, Houille. Belle transition. Alors, ou là aussi, moi, j'ai des petites choses en plus à vous raconter. Ah, oula. Je vais d'abord commencer par la liste des jeux qui ne sont pas des leaks, hein, qui sont officiellement confirmés pour le EA Play, ou pas nécessairement dans la conférence, hein, mais vu que ces espèces d'abrutis font un salon à eux-mêmes en parallèle de l'E3, quoi, bravo. Et donc, du coup, ce qui est sûr d'avoir, c'est donc, évidemment les inévitables FIFA 18, Modern Warfare 18, NBA Live 18 et tous les jeux e-sport sur mobile. Battlefront 2 aussi, il y a le nouveau Need for Speed qui du coup s'appelle Need for Speed Payback et qui avait été teasé fin mai et révélé le 1er juin, il me semble, début juin. Il y a le nouveau DLC de Battlefield 1 qui se consacre à l'arrivée de l'armée russe dans le jeu et qui s'appelle In the Name of Tsar. Et il y a aussi le fameux eSport FIFA for Nintendo Switch. Et puis sinon, c'est les Sims 4 aussi, je crois. Enfin bref. Voilà, les Sims 4, il est déjà sorti. Mais alors, justement, là, j'ai une info. Oula. J'ai eu une info parce que, alors, Riff le sait très bien. Je suis en gros, moi, obsédé par les Sims. Un tout petit peu. C'est-à-dire que, Electronic Arts, en gros, c'est un petit peu comme Steam. C'est, ils partagent, en fait, mon compte en banque tous les mois. Et en fait, on va très probablement avoir une sortie des Sims sur Switch. Oh, ce serait pas trop mal, ça. Ça, c'est une très très bonne idée. Quelle idée? Pourquoi? Ce ne serait pas la première fois qu'il y aurait de toute façon les Sims chez Nintendo. C'est quelque chose qui s'est fait. Oui, qui se souvient que les Sims 3, c'était l'un des jeux du lancement de la 3DS? Oh putain, je savais pas. Ah, j'avais oublié. Je savais pas, moi. Je dis pas de conneries. Ça, je me souviens pas. Non, c'est juste. C'est juste. Et donc, va y avoir, en fait, alors... Pour le moment, j'ai eu l'info que de Sims Switch, parce que en fait, je connais relativement bien, à force de nombreuses années à jouer aux Sims, etc., un des Sims gourous. Donc, c'est tous ceux qui sont les développeurs des jeux, machin, etc. Et qui a laissé échapper un truc, qui me disait échapper, tiens, toi qui aimes les Sims, j'espère pour toi que t'as la Switch. Ah bon. Ça m'étonnerait pas parce que c'est un jeu familial, Mais tu l'as posté sur 4chan ça avant de nous le dire ou quoi? Non. Exclu GN, les gars. Regarde cette émission, vous avez des leaks sur Assassin's Creed, sur les Sims, là, allez. Mardi, il y aura des leaks sur des jeux de... EA, il n'y aura pas de présentation pour les Sims, que ce soit les nouveaux disques d'extension... les Sims, je veux dire, en eux-mêmes. Il n'y aura pas de présentation sur un nouveau disque d'extension pour les Sims 4 ou pour les Sims 5. Mais par contre, il se pourrait qu'il y ait juste un micro-teasing qu'il faudra bien regarder en fait, et remarquer pour comprendre qu'il va y avoir un Sims sur Switch. D'accord. C'est vachement pété. Peut-être qu'on en verra plus dans la conférence. Mais on en est au quatrième, là. On en est au quatrième des Sims, là, pour l'instant. Ouais, donc, ouais.
4. On en est au Sims 4. Le 5 est déjà en cours de développement depuis 2 ans. Ce serait bien qu'on n'ait pas une version au rabais, quoi, et qu'on ait un vrai Sims. Oh, c'est les Sims, quand même. Faudrait le faire pour la forêt, quand même, la version. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que les versions console portables ont toujours été une espèce de version... Ouais, parce que... Mais là, l'avantage, tu vois, c'est que, justement, moi, je me dis, les Sims sur Switch, ça va être un truc qui peut être, justement, absolument génial, parce que tu vas, en fait, avoir, quelque part, la puissance, entre guillemets, d'une console de salon, ou, bah, tout simplement, en fait, d'un PC qui peut te faire tourner les Sims, hein, tout simplement. Mais, en plus, dire, bah, tu vas pouvoir les emmener partout avec toi. Et c'est vrai que, quelque part, vu que les Sims, c'est un petit peu un jeu, quand tu es vraiment un joueur des Sims qui est très addictif, et où tu te crées tes petites familles, tes trucs, machin, etc., bah, c'est vrai que le fait de pouvoir continuer un petit peu à mal élever tes gosses quand tu es dans le train et tout, ça peut être très drôle. Mmh. Non, mais ouais, c'est vraiment, sensiblement, ça va être pas belle. Que ouais. Yep. Bon. Du coup, sinon nos attentes, ouais. Non, il y a deux infos fuites. Il y a une grosse fuite de gameplay de Battlefront 2 qui est sur YouTube. Ah bon? Ouais, il y a 12 minutes de gameplay de Battlefront 2 sur YouTube. Ouah, sérieux? En fait, c'est les YouTubers qui ont pu enregistrer leur partie. Et en fait, EA a fait genre, les postez pas s'il vous plaît, sauf qu'il y en a qui l'ont posté quand même. Bravo. Donc il y a quelques autres gameplay qui sont absolument pas les postés. Je peux pas poster le lien sur le chat, mais si quelqu'un veut le faire, enfin si quelqu'un veut voir les vidéos quoi avant la conf, je sais pas si c'est très utile vu que la conf est dans 2 heures quoi, mais voilà. Je vais sur le chat quand même. Y a ça, et le deuxième truc, c'est une info sur la nouvelle IP de BioWare dont le nom de code est Dylan, qui est donc leur plus gros projet actuellement en développement, qui est en développement depuis. Dragon Age, je crois. Dragon Age Inquisition, exemple. Quoi ? J'ai pas compris ce qui vient de se passer là. Qui a dit allô ? Qui a parlé ensuite ? Ouais, c'est moi, j'ai dit bye. Ok, ouais. Par contre, la vidéo de leak qu'avait posté Nidalion a été supprimée pour. Ouais, pour dommage. Bon, bah, non, mais il y a sûrement des miroirs qui partent. Hein. Ouais, donc. Bah voilà, il y a quelqu'un qui l'a reposté là. Canozu, tu disais ? Oui, donc je disais oui sur les niveaux IP de BioWare, ça faisait depuis Dragon Age Inquisition. Je sais pas si vous avez lu l'article de Kotaku sur le développement de Mass Effect Andromeda qui est sorti mercredi là. Et j'ai pas eu le temps. Et Dylan était mis en développement à peu près au même moment, donc il y a 5 ans quoi, à peu près. C'était il y a 5 ans de... Oui, Mass Effect Andromeda a commencé il y a 5 ans, ouais. Ah putain, si tu l'as pas lu, mais du coup, pour résumer vite fait, l'article explique qu'ils ont foutu, qu'ils ont fait 5 ans de développement, mais que le gros du jeu tel qu'on le connaît actuellement a été développé en 18 mois à la fin en rush parce qu'ils avaient ils avaient plus le temps. Andromeda, j'ai entendu dire comme quoi en fait c'est la partie qui s'occupait des DLC et de Mass Effect en fait qui a développé le jeu. Parce que le studio principal développe Dylan, et en fait, ils ont lancé Dylan, ils ont fait, bon, qui on met sur un prochain Mass Effect, et ils ont dit, bon, bah, on a fondé BioWare Montréal juste pour les DLC Mass Effect 3, on va leur donner Mass Effect. Mais c'était un projet cross studio, il y avait une partie de la team qui était à Montréal, et une autre partie qui était dans le studio principal de BioWare à, je sais pas quelle ville, j'ai oublié, mais voilà. Puis il y a eu de gros conflits internes entre les développeurs de Montréal qui avaient peur que leur management dans le studio principal veuille leur voler leurs idées, et puis inversement les gars du studio principal qui avaient un peu peur de ce que foutait Montréal. Enfin voilà, c'était un peu de gros bordel. Puis la pré-production, ça a été n'importe quoi, il y a plein de trucs qui ont été mal gérés. Et donc tout le jeu a été rush en 18 mois à la fin du développement, notamment plein de trucs qui auraient dû être vus en pré-production et qui ont été vus au dernier moment. Enfin, c'était le bordel, ce qui explique qu'on n'ait pas eu de vidéo de gameplay jusqu'à très tard dans les annonces, quoi. Il me semble, si je dis pas de bêtises, que la première vidéo de gameplay, ça date de quand ils ont annoncé la PS4 Pro. Donc fin 2015, je crois. Ouais, 2016, ouais. 2016, pardon, oui, 2016. Ouais. Bah, le jeu est sorti en mars cette année, et le gros du développement aurait commencé au début 2016, quoi. Donc vraiment. Oh putain, c'est chaud. Enfin, plutôt fin 2015.
Ouais, fin 2015. Enfin voilà. Et du coup, il y aura la nouvelle IP de BioWare ce soir, il y aura un teaser de 45 secondes ce soir et plus de détails et de, probablement du gameplay dans la conférence Microsoft demain parce que le jeu sera optimisé Scorpio apparemment. Donc teaser ce soir et détails demain. Voilà. Voilà, c'est cool. Pour cette nouvelle IP. Moi je l'attends. J'attends au tournant parce que BioWare, c'est le premier Mass Effect, est quand même un jeu génial. J'étais moins fan de la suite, mais le premier Mass Effect est quand même. Je trouve un grand jeu la semaine passée. Vas-y. J'ai pas terminé le 1. Enfin, j'ai commencé le 1, je jouais quelques temps, j'ai pas terminé. Je l'ai pêché quand il était gratuit. Sur, ouais, comme tout le monde, je pense. Sur Origins. Mais j'avais acheté le 3 sur Wii U, hein, du coup, que j'ai joué en premier et que j'avais bien apprécié. Et que du coup, moi, je pense que je vais me faire les Mass Effect 1 et 2 cet été quand j'aurai le temps, quoi. Bah, ils sont pas mauvais, hein. C'est juste que le 1, je trouvais, était plus inspiré. Dragon Age Inquisition, qui est donc leur dernier jeu en 2014, était un peu plus décevant, mais je mets ça plus sur le fait que c'est un jeu de début de gen, que voilà, il était pas au point, parce que. Mais sinon, voilà, je Dylan, une nouvelle IP, comme ça, en milieu de gen, j'en entends pas plus au tournant. Ouais, c'est vrai qu'il s'éloigne un peu des sorties qui sont déjà battues avec Dragon Age et Mass Effect. Après, leur autre jeu en dehors de ça, je crois que c'était déjà Vampire aussi, qui était pas mauvais, sur Xbox One du moins. Ouais, bah, depuis ouais, c'est intéressant de les voir faire une nouvelle IP, donc je suis curieux. Ouais, voilà. Oui. Du coup, mais est-ce que vous attendez chacun le. Nos attentes, quoi, en gros. Mince. Est-ce que vous attendez cette nouvelle IP de BioWare ou qu'est-ce que vous attendez d'autre d'IA ce soir grosse question, vous espérez voir la Switch à un moment ou à un autre de la conférence? Oui. Troisième question que j'ai notée, qui a envie de jouer à ce FIFA 18 Switch au rabais? Ouais, c'est trois questions pour cette séquence attente qui s'ouvre maintenant. Du coup, on commence par qui veut. Moi. Donc, alors, déjà, FIFA, faudrait qu'on me paye cher pour jouer à un jeu de foot. Donc, comme ça c'est dit. Sauf si c'est Mario Football. Même. Aïe. Oh là là. Il y a un jeu de foot que j'aime bien sur Dreamcast parce que tu peux littéralement tabasser tes. Oui, ça c'est retombé, on est d'accord. Non, mais j'ai joué, c'était vachement cool. Ouais, c'était trop bien. Après, la nouvelle IP reste à voir ce que ça donne, hein, de toute façon. C'est toujours pareil, c'est un petit peu difficile d'avoir une idée tant qu'on n'a pas eu vraiment plus d'infos. Et après, moi, mes attentes pour la conférence, donc c'est la confirmation, en gros, moi, de l'info que j'ai eue par un des Simguru, premièrement. Ouais. Et deuxièmement, il faut savoir que sur 4chan, on discute aussi pas mal de quelque chose moi, qui pourtant m'étonnerait beaucoup, mais après tout, ils en seraient plus à ça après. Ça serait carrément déjà parler d'un Titanfall 3. Non, c'est beaucoup trop tôt. Hein. Je suis entièrement d'accord, c'est beaucoup trop tôt, mais il y en a, mais plein, je veux dire. Et quand je dis plein, c'est une quinzaine. Je sais pas, parce que Diadome, c'est ça le studio? Ouais. Ils ont aussi un projet de Star Wars aussi. Attends, c'est pas Remedy? Non, Respawn qui fait. Alors, il y a Visceral Games. C'est Respawn qui fait Titanfall. C'est Respawn. Oui, ils font que Titanfall, il me semble. Mais ils ont pas un projet Star Wars aussi? Non, c'est Visceral, 13-13. Non, eux ils ont rien. Enfin, pour ce qui concerne Star Wars en tout cas. Parce que Titanfall vient de sortir. Par contre, je me permets de répondre à une question sur le chat. Oui, Laetitia, ouais. Franck, 72, machin. On ne diffusera pas en direct les conférences de l'E3. Par contre, ce qu'on fait chaque jour jusqu'à jeudi, et sauf mardi par contre, à 18h, on fera une émission pour discuter des conférences E3, des rumeurs, ouais, etc., pour faire les débriefs. Voilà. Voilà, c'est ça, ouais. J'allais répondre aussi, mais t'entends très bien que tu l'aies fait. Voilà. Donc voilà, Titanfall 3, j'ai du mal à y croire, mais après c'est EA, donc bon.
Voilà. Après, je veux dire, ils peuvent juste dire aussi, ça serait pas la première fois, au fait, nous, on est en train de travailler sur Titanfall 3. Ils vont juste sortir deux images de merde. Et puis, un documentaire des développeurs qui viennent d'être... Ah oui, ils aiment bien ça, les documentaires chez EA. Oui, ils avaient fait ça pour Mass Effect Andromeda, parce qu'il n'y avait rien d'autre à montrer, hein, littéralement. Ouais, alors, aussi, éventuellement. Ouais, aussi, ouais. C'est un peu tout leur jeu. Hein. Non, mais c'est bien parce qu'en même temps, les documentaires, moi, ça me donne tout de suite un coup de jeune parce que ça me rappelle quand j'étais à l'école en cours de par exemple, de techno ou de SVT ou quoi, quand on nous montrait alors le ramassage de la lavande en Haute-Provence, les trucs comme ça. T'es là où tu fixes l'écran et où tu te dis, ouais, non, en fait, j'aurais préféré faire des maths. Ah, je t'inquiète, je connais bien ça. Non, mais les documentaires making-of comme ça. Pas pendant les conférences, s'il vous plaît. Non, pas mais c'est ça, je veux dire. Après qu'ils les mettent à disposition pour les gens et tout, moi je trouve que c'est au contraire une excellente idée. Ouais, sur YouTube quoi. Tu balances ça sur YouTube après la conf, ouais. Voilà, mais foutre ça pendant les conférences, je trouve ça très con. En plus, ça te nique le rythme du truc. Surtout, rappelez-vous, l'an dernier, Electronic Arts qui disait: regardez, on a plusieurs projets de jeux Star Wars, on a Battlefront 2, on a le Visceral Games, on a je sais plus quoi aussi, on a un Star Wars en VR. Et ils ont fait que de montrer des mecs devant leur ordinateur, voilà, en montrer un autre. Et c'est même pas que ça, les années précédentes, c'était genre 2 ans avant que le Battlefront 1 sorte. Et les premières images de Battlefront 1, c'était pareil, hein, c'était des making-of et rien d'autre. Ouais, bah ouais, c'est quand on arrive à montrer. C'est bien les making-of, c'est plutôt. Oui, c'est bien, mais pas pendant la Battlefield 3. Ouais. Ah oui, non, je suis d'accord sur ça. Hein. Ça c'est, non, mais je veux dire, c'est comme si tu vas au cinéma et en fait que tu vois que le making-of du film, quoi. Ah, il y a un peu de ça. C'était là, tu fais. C'est gentil, mais bon. Moi, je suis venu pour voir le film, pas comment ils ont fait le film, tu vois. Je veux dire, moi, je préférerais dans ce cas-là que sur le temps qu'ils passent à nous montrer leur petit documentaire, machin et tout, qu'ils nous montrent plutôt le jeu, quoi. Pas façon Treehouse, hein, mais je veux dire juste qu'ils te présentent vraiment le concept du jeu. Oui. Et souvent, c'est ce qui manque. Ils préfèrent te foutre un petit documentaire à la con. Toi, t'es là. Non. Quoi ? Qu'est-ce que c'est que ce documentaire ? Qu'est-ce que vous faites ? Pourquoi ? Que je peux passer à mes pourquoi pas d'image du jeu ? Oui, ouais. Oui, oui, vas-y, vas-y. Ouais, vas-y, Spike. Okay. Ouais. Ça tarde pas trop. Concrètement, ouais, la Switch, je l'attends. Problème chez tous les éditeurs tiers, parce que la Wii U a été délaissée pendant 4 ans, donc ça ferait plaisir de revoir du Nintendo chez les tiers. C'est cool d'avoir une petite mention pour certains jeux. Donc on va sûrement voir FIFA, mais ouais, ce serait pas mal aussi l'histoire des Sims, si je prends les leakers, hein, donc ouais, c'est plutôt intéressant. Mais sinon, le projet que j'attends de chez IA, si je n'apprends pas grand chose avec le massacre de Mirror's Edge 2, hein, dédicace à Fefe, qui voulait ça. Du coup, moi, ce que j'attends surtout, c'est le jeu Star Wars de chez Visceral Games. Je sais pas du tout s'il va être présent cette année, mais ils ont rien fait depuis Battlefield. C'est quoi le titre? Il a pas dit. Visceral Games, on sait qu'il bosse sur un Star Wars. Star Wars, entre parenthèses, Working Title. Okay, ouais, non, ouais. Okay. Non, parce que j'ai vu un autre titre de jeu Star Wars, mais ça devait être un jeu mobile. Ouais. D'après les infos, Working Title, c'est peut-être juste que t'es dans Star Wars et que en fait tu cherches un titre. Voilà. Ah, dis donc, c'est marrant ça. Mais ouais, j'adore ce qu'il prépare. Parce que Visceral Games, c'est quand même des excellents jeux, le parrain, et puis Dead Space, avec leur haut et leur bas, mais Dead Space, pas tout de même. Donc voilà, j'ai en mode voir ce qu'il faut faire. Oui, tiens, d'ailleurs aussi, par contre, une proposition pour le 3 aussi, Dead Space 4, non. S'il vous plaît, faites un peu mieux. Oh non, après le massacre du 3, faites un peu mieux. Ou alors mettez-y fin une bonne fois pour toutes, ne laissez aucun espoir que la licence revienne. Je pense que c'est fini, le 3 a beaucoup trop bidé, alors que... En fait, EA avait posé un ultimatum avec le 3, s'il n'atteint pas son quota de vente, la licence est finie, donc c'est ce qui s'est passé. Quoi. Ouais, c'est triste. Bon, encore un, qu'ils ont parlé de studio. Très triste. Mais au moins le studio est encore là, c'est une jeune RTS nouvelle. RTS est triste. Ouais. Parce qu'en général, chez EA, ce genre d'ultimatum, c'est ça, qu'il y aura deux studios à côté. Alors là, ça, là, c'est... Ouais, bah oui, classique, hein, ça c'est... Peut-être passer à mes attentes pour enchaîner, comme vous voyez, il reste plus beaucoup trop de temps.
Bah sinon j'ai parlé, j'attends Dylan, j'avais lu comme quoi le mec qui avait développé Brothers à Tale of Two Sons, donc le jeu indé oui, sorti, ouais, ouais. Apparemment son nouveau jeu est présenté chez EA, parce qu'il bosse avec eux, donc bah pourquoi pas, je me dis j'ai bien aimé Brothers, je veux bien voir ce qu'il a dans le bide. Et je me suis dit que, pour rester un peu dans le domaine de la Switch, ce serait pas improbable qu'ils annoncent un Plant vs Zombie, Garden Warfare, truc, Michu, Bidu, là. Le TPS, Plant vs Zombie, il y a 2-3 ans, là. Enfin, c'est celui que tout le monde a oublié parce que personne n'a voulu y jouer, sur Xbox One. Je me dis, c'est un jeu familial, c'est un jeu casual, pas trop exigeant graphiquement, pourquoi pas. Bah après voilà, je pense que les éditeurs ils veulent, si vraiment ils ont ça sur Switch, ils vont pas s'embêter à prendre le temps de conférence parce que sauf que c'est un jeu qui est sorti il y a 2 ans et qui sort juste sur Switch. Ah mais je parlais genre d'un 3 en fait. Ouais. Un 3 possible. Un nouveau, ouais. Portage, tiens d'ailleurs à préciser en ce moment sur Origin, parce que ils font ça tous les mois en fait, donc le jeu gratuit et Metal of Honor c'est Pacific Front. Donc Medal of Honor, donc Pacific Assault, pardon. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse. Ok. Juste répondre sur le chat, c'est quoi cette histoire de Space Invaders Switch là Ouais, je... Ah bon ? Je pense que ça sent tout seul ça. Cette blague, on en a pas entendu parler nous. Cette blague, c'est sympa, mais. Et pourtant, je suis attaqué, hein, mais. Enfin bref, qui n'a pas fait ses attentes encore. Il reste moi, mais bon, je vais pas dire grand chose parce que bon, très sincèrement, Electronic Arts, j'attends pas grand chose. Juste par curiosité, j'ai envie de voir les jeux Star Wars, bien sûr, hein, celui de Visceral Games, qu'est-ce que ça peut donner, ça peut être intéressant. Il y a aussi le jeu entre gros guillemets indé là, Fey, je crois. Ouais, je crois qu'ils l'ont pas remontré depuis, il me semble. Ouais, non. Il n'est pas sorti cette année. Ça a pas l'air inintéressant quand même, hein. Ça avait l'air plutôt sympa ce qu'ils montraient l'an dernier, donc ça sera bien de le revoir. Peut-être qu'il y aura encore un autre jeu comme ça. Peut-être des devs d'Unrival, puis disons genre. Et pour le coup, je pense que ce type de jeu peut complètement arriver sur Switch. Hein. Ça sera quand même très débile de pas le faire. Un jeu de plateforme qui arrive pas sur console Nintendo, vous le faites exprès quand même. Que Unrival arrive pas sur Wii U, c'est un peu triste. Ouais. Ouais, c'est pas sur ouais. Avec la Switch. Et pourquoi pas, écoute. Mais bon, sinon, bon, est-ce que j'attends des jeux sur Switch À part le logo Switch qu'on va voir à la fin du trailer de FIFA, je pense qu'on verra rien d'autre. Voilà. Et après, bon, bien sûr, ouais, c'est mieux, donc faut pas non plus attendre trop. Quoi. Donc, ouais. On n'entend rien de toute façon de ce FIFA 18. Je suis pas fan, hein, tout simplement. Voilà. Oui, pareil. Ouais, voilà. Bah, je pense que je vais conclure avec mes attentes perso à moi, qui vont être très rapides aussi, puisque bon, je pas ça coupe. Ah, malheureusement. Au moins, l'entend dans le stream, normalement. Est-ce que ça marche là? Oui. Ouais, c'est le... Discord. Ouais, bon, c'est Discord. Mais sur le live, on m'a entendu, donc bon. Je disais que j'allais avoir des attentes pas très, très longues, parce que bon, boy, je m'en fiche un peu. Enfin, il y a 2-3 trucs que j'aime bien, mais. C'est principalement, moi, j'attends de voir quelle est la nouvelle IP de BioWare, parce que bah, ça m'intéresse un peu. Ça a l'air d'être un très gros projet, donc j'en attends un peu plus, même si les vraies infos sera demain. J'attends de voir à quel point FIFA 18 Switch est un jeu de merde. Ça m'intéresse vraiment de savoir à quel point ils l'ont déglingué et comment c'est possible de faire ça, quoi. Et de savoir si vraiment est-ce qu'ils vont juger leur investissement sur la Switch en fonction des ventes de FIFA 18, hein, ce serait quand même un peu con qu'ils fassent ça. Bah ouais, hein, ils vont faire ça de ouf. Hein. Ils avaient dit il n'y a pas trop longtemps qu'ils comptaient apporter d'autres jeux parce qu'ils aimaient bien le lancement de la console, mais bon. Oui, mais forcément, mais tout le monde a dit ça. C'est les déclarations, ouais, voilà. Ça démarre bien, on est bien à la console. Hein. Bah oui, forcément. Maintenant qu'il n'y a plus Mass Effect Andromeda à attendre, parce que c'était mes attentes chaque année depuis 4 ans, donc de dire j'espère avoir Mass Effect Andromeda, bon bah là je peux plus. Star Wars, vite fait, je pense que j'y jouerai pas, mais savoir ce que c'est le projet de Visceral, ce serait intéressant. Je sais plus s'il y avait un leak d'un autre truc, pas chez EA, je pense. Il me semble pas. Je pense que ça a fait le tour. Ça va, ça reste assez soft, il voulait que tu y aies.
coup. Oui, bon, à part Battlefront 2, les 12 minutes de gameplay juste avant la conf, quoi. Ouais. Je vais aller voir ça maintenant. Ouais, et puis aussi le Need for Speed qui se proche d'un Forza. Ah là, oui, voilà, j'avais oublié, ouais. Alors, j'ai pas vu le reveal, j'ai vu que le jeu a été révélé, mais j'ai pas vu le reveal du tout. Donc, En fait, ce serait dans les inspirations, The Crew, Horizon. Ouais, ça ressemble un peu The Crew, apparemment. Ça me rappelle vachement le dernier. Ça me rappelle vachement le dernier Fast and Furious, en fait. Le dernier film. Bah, ça rappelle normalement cette espèce de côté décalé, pas trop sérieux. Ouais, ils se prennent pas trop au sérieux, excusez-moi. Bah, s'il y a de ça, j'attends de voir ce que c'est alors, mais du coup, ouais. Avec des voitures qui font des roues arrière et tout. Il était sorti ou pas le film Histoire Speed? Mais oui. Ah oui, il est sorti. Bah, c'est Fast and Furious, hein, j'ai regardé. Fast and Furious, oui, voilà. Ouais, c'est ça. Bah oui, qu'attends-tu d'un jeu Need for Speed? Ouais, enfin bref, je pense qu'on va se quitter là. Du coup, on a fait une petite... On est à 50 minutes là, donc du coup, on a fait carrément plus court que dans les quotidiennes de janvier. C'est encore mieux. Si il y a, il n'y a pas grand-chose. Oui, il n'y a pas grand-chose à dire. Il n'y a pas de conférence pour l'instant. Donc... Demain, ça va être mieux, je pense. Oui, ouais. Demain, ça va être plus... Oui, ouais. Bah, demain, ça va être plus compliqué de faire juste une heure, quoi, je pense. Voilà. Ça tombe bien, je mange plein de chats, donc... Hein? Ouais, t'expliquera après. Ah, tu manges plein de chats, j'avais compris que tu mangeais plein de chats. Ah, oh bah là là. Mais que dites-vous? Que dites-vous? Non. On fait rien aux chats. Du coup, avant de se quitter, on vous rappelle que la conférence IS est 21h heure française. Que demain, on a Microsoft à 23h, Bethesda lundi à 6h du mat, Devolver juste après à 7h, le PC Gaming Show à 19h. Ubisoft lundi à 22h, Sony mardi dans la nuit à 3h du mat, et enfin Nintendo mardi à 18h. On continue du coup avec la quotidienne demain à 18h, qui sera cette fois-ci présentée par Magus, qui est revenu de vacances enfin. Qui pouvait pas être là ce soir. Enfin, il a droit de prendre des vacances. Oui, oui. Ouais, il n'a pas le droit, hein. Qui a pris un congé bien mérité, ça c'est vrai, et qui du coup va travailler en ce moment, donc du coup va pas être là pour ce premier numéro, mais qui sera là demain, qui sera là dans tous les numéros de la quotidienne la semaine prochaine, et il présentera aussi celle de mardi, vu que c'est la spéciale Spotlight, et qu'il a plus l'habitude de présenter ses lives, vu qu'on les fait depuis 4 ans maintenant, enfin bref, voilà, et du coup, qui chuchote dans le fond du Discord, je vous entends là. C'est éclectique, voilà, je crame celle. Espèce de gros bâtard, mais vas-y. Oh la ballon. Va manger des frites. T'as pas le droit, tut. On peut retrouver tous les chroniqueurs de cette émission sur Twitter. Donc on a Riffelgot sur @Riffelgot, Spy sur @Spy_Une, Lord Canozu sur comment ça s'appelle @Do You Know KNOZ, et il a enlevé les underscores, merci à lui. Mais de rien, j'ai fait pour vous, peuple de GN. On a Eclectic sur @Eclectic_Wizard. Moi, je suis sur Fry_Rumple. Et le site de Génération Nintendo, c'est G_Nintendo. Et on se retrouve demain à 18h. Salut! Salut tout le monde! Bye bye! Tchuss! Yeah, no.